kitatokea duniani kisha kunyakuliwa kwa kanisa. Je vous ai déjà parlé. Nilisawambia. C'est l'ouverture de sept sceaux. Ufunguliwa kwa mihuri saba. Je parlais sur le premier sceau. Et le deuxième sceau. Aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième sceau. Je ne regardais pas ton retard. Peut-être tu n'étais pas ici depuis 15 ans. J'avais demandé la chair depuis 15 heures. J'étais ici depuis 11 heures. Que Dieu soit loué parce que je ne peux pas consommer le temps de quelqu'un. Celui qui ne respecte pas le temps ne sera jamais respecté. Ça, je ne peux pas mâcher les mots. Allez parler tel que tu parles. Ici, je ne fais pas mon œuvre, je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé. L'ouverture de sept sceaux. Je vous ai déjà parlé sur le premier sceau. Sera pourquoi? Lorsque on va ouvrir le premier sceau, c'est pour donner le silence au monde. Pour que les diables puissent s'installer. Et que l'œuvre de 666 puisse commencer. Et là, la souffrance va continuer sur la terre. Et celui qui plaît, la souffrance, mateso, le mépris, masarau, ça c'est un dixième. Et ce qui viendra dans l'état très difficile. La Bible dit, les hommes et les femmes chercheront la mort. Et la mort prendra la fuite. Il est temps de croire en Jésus. Au lieu de croire à l'église. Il est temps de croire dans la parole de Dieu. Au lieu d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui écoutent. Qui ne croient pas à la parole. Et vous allez le voir. Les gens qui sont beaucoup ou soit qui ont beaucoup bénéficié les paroles, les enseignements. Mais qui n'applique, qui ne pratique aucune parole. La guine a été dans l'église. Pour remplir des formalités. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Tu vas d'abord regarder ta vie. Moi si je regarde même les gens dans cette église. Gloire à Dieu parce que l'année 2022 c'est une année de découverte. Si pas quoi bon parce que année 2022. Amen. Amen. Je dis encore amen. Amen. Je dis encore amen. Amen. Je te vois à la bouche, tu n'acceptes amen, tu n'acceptes pas amen, tu ne fais pas les mouvements, je te fais sortir. Donc tu n'es pas là pour écouter. Mais pour accompagner. Tu es là pour faire. Pour faire ce que tu préférais faire. Alors, ça, ça. Cette action n'a pas de place ici. Il était de comme il y a une face mal à part. Que Dieu vous bénisse. Bon go bariki. Je dis que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, nous allons entamer notre troisième ouverture des troisième saut. Soit le troisième saut, l'ouverture des troisième saut. Nini itatokea? Qu'est-ce qui viendra? Wakati muhuri wa tatu utafunguliwa. Lorsque le troisième saut sera ouvert. Muhuri wa kwanza. Le premier saut. Tulisema na kuleta kimya. Nous avions dit c'est pour amener le silence. Apana salama kimya. Pas la paix, mais plutôt le silence. Na muhuri wa pili. Et le deuxième saut. Ni muhuri wa kuleta salama. C'est wa kuondolewa kwa salama duniani. C'est le saut auquel qui sera ouvert pour ôter la paix dans le monde. Ili. Pour que watu wapate kuwana, les gens puissent égorger. Yani itakuwa ni muhuri, ça sera le sceau wa kuleta eko wa kuondolewa kwa salama duniani. D'enlever la paix dans le monde. Prenez pole pole. Allons-y doucement. Unamkatala Yesu. Tu refuses Jésus. Hautaki
Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Parce que tu es général. Parce que tu es, je ne sais pas, ministre. Parce que tu as de l'argent. Parce que tu as la sécurité. Lorsque ce sera ouvert, il n'y aura pas la sécurité d'une personne. La sécurité changera d'être l'insécurité. Parce que lorsque la paix sera ôtée, la parole de Dieu dit, ça sera pour que les gens puissent s'égorger, se tuer. Là-bas, il n'y a pas encore l'ouverture du sceau de la mort. Lorsque la paix du cœur sortira, les gens aimeront de se pendre. Les gens qui ont un problème avec le diable et Satan. Vous qui adorez, par exemple, vous restez dans l'enlèvement. Ces choses n'attendent pas que tu puisses vieillir ou bien que tu puisses être jeune. Ceci, seulement si sur les sons de trompettes sont assez. Ces choses sont les choses qui vont se concrétiser pendant 7 ans. Ça veut dire que si tu es là pour vivre 70 ans, dans les 70 ans, par exemple, par exemple, les sons de trompette sont il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans d'existence. Ça veut dire qu'il y a encore 20 ans d'existence. Il est 20 ans qu'on a. Le 20 ans que tu as là. Ça, après l'enlèvement. Alors après l'enlèvement. Mais pour 7 ans. Il y a encore 7 ans. Il est au ça. Auquel tu vivras comme une personne. Ça, ça, t'a quoi sous règne à diable. Alors tu seras sous la reine du diable. Du diable. Ça, ça, il est wakati bata fumula imiuri. Lorsqu'on ouvrira ces sceaux. Il est miuri. C'est cela. Aïta quoi miuri. Ne seront pas les sceaux. Qui seront ouverts par les diables. Aïta quoi ni mungu ataifungula. Ça sera le propre Dieu qui va ouvrir ces sceaux. Kwa ajili ya mtu wowote mwenye pumzi. Pour toute personne qui a le souffle de vie. Hii haina na wakati wa kutormante mademo. Ça, ça n'a pas le temps de tormenter les démons. Hii miuri saba. Aïta quoi kwa ajili ya kutormante Satan. Les sept sceaux ne seront pas là pour tormenter les diables et Satan. Kwa ajili ya nafsi ya kila mtu. C'est pour toute âme de toute personne. Qu'il soit chrétien qui devrait rester. Qu'il soit chrétien qui était un chrétien malais qui était qui tardait. Tous les sorciers. Tous les sorciers qui chantaient pour Dieu avec la sorcellerie. Les sorciers qui prophétisaient avec la sorcellerie. Aujourd'hui, les gens mangent la sorcellerie en désordre. Dans la délivrance, ça devient la délivrance des maniocs. Dans les maniocs, vous savez quelle sorcellerie. C'est quel moment? Yes. Il est haute. Tout cela. Il est siku. Ces jours-là. Ça sera les jours étonnants. Il est siku ta kumbuka yeye. Ces jours-là, tu te rappelleras de l'évangile que je t'ai. C'est pourquoi le diable. Anapatia bantu mioyo migumu. Il donne le cœur dur aux gens. Voici ce qui est dit à nous. Qu'ils ne puissent pas écouter l'évangile de la lumière. Bah, et bah, qui est mon injili moi kawaida. Qu'ils restent dans l'évangile ordinaire. Ma injili moi ma faïda ya wa. Les évangiles des intérêts des gens. Tu m'as pas qu'à mon distraction. Pour que les gens restent dans la distraction. Ouais, sinon la déni. Toi, je n'ai pas encore la déni. Et toi qui me suis dans les réseaux sociaux. Toi qui me suis dans le monde entier. Sinon la déni. Je n'ai pas la déni. Parce que ces jours-là, tu te retrouveras, tu seras en vie. Alors, après l'enlèvement, il est mort ou pile qui s'est formé. Après qu'on puisse ouvrir le deuxième saut, il fait quoi ça sera pour ôter la paix dans le monde. Il est amani. La paix. La paix du cœur. Voilà. Il est amani. La paix là. Et ta quoi ni amen amani moya, il est tourné dans la paix du cœur. Ça sera la paix qu'on appelle la paix du cœur. Il est amani. Donc la paix là. Salama il est. La paix là du cœur. Il a dit fanya mina Joseph. Tu me fais moi et Joseph. Dona tembea. Nous marchions. Yeye commanda. Lui commanda. Mi garde du corps. Moi les gardes du corps. Kama anashuka anaingia siwi wapi. S'il descend, il entre, je ne sais pas où. Alafu tuko tunamchunga. Nous sommes en train de l'attendre. Akiingia kama ni wapi kule. S'il entre, si c'est où. Tuko tunamngoja. Nous sommes en train de le sécuriser dans l'attente. C'est la paix. Bongo kweli. Kweli. Sasa kama amani inako entre garde du corps. Na chef wake. Et si il y a pas la paix entre les gardes du corps et son chef. Kama aina côté. Si cette paix là n'existe plus. Ni garde du corps papa pika tu le mouri paka. C'est lorsqu'on va ouvrir seulement c'est sur la paix. Amani na mtoka. La paix sort dans le garde du corps. Ni garde du corps. C'est lui qui a l'arme c'est le garde du corps.
se tuerait sur toi. Il est amant, il t'attend comme bas. Lorsque cette paix guidera dans les gens. Si tu vois une personne qui prend toi tu prends l'intelligence de l'école, tu amènes à la sorcellerie. Par après, au lieu d'abandonner les études, tu vas encore étudier pour tourmenter les professeurs. Professeur qui insistait ça dans ma Bible n'a ma ville. Bible lui a dit qu'un plus un égal à un. Bible n'a pas ma tour. Mon mère n'a pas été comme lui. Mon chat. Mon mère n'a pas sexe. Mon mère n'a pas sexe. Yaki. Je vais t'en acheter comme lui. Mon chat. Peu comme un pas un plus un égal à un. Est-ce qu'il y a un problème un plus un égal à un? Les choses spirituelles, ils prennent ces choses dans la science. Ils mettent même des disputes. Pour quelque chose, il a déjà amené l'intelligence dans les chandas. Alors, si toi tu lis la vie des gens, tu lis la vie des gens, arrêtez aussi de mentir, de demander. Amen. Si tu fermes la vie des autres, ça signifie que tu ne puisses pas demander encore. Parce que les gens ne peuvent pas te donner, le lendemain ça n'avance pas, le lendemain on ne te donnera plus. Lorsque le deuxième seau sera ouvert, vous êtes pas ensemble avec moi? Amen. Amen. Maman, si vous me savez, amen. On nous skie bien. Écoutez-moi bien. Parlez ma ta fongula mouri wapi. Lorsqu'on va encore vers le deuxième saut. Mon Apocalypse 6, Seigneur, tu le vois verset 3 à 4. Dans Apocalypse 6, verset 2, 3 à 4. Chapitre 6. Le chapitre 6. Chapitre 6, verset 3 à 4. Le chapitre 6, verset 3 à 4. Apocalypse. Non, chapitre mouri wakwanza, voilà. Mouri wapi, ok. Oui, le deuxième saut. Voilà. Bois vers soit peu aussi. Amen. Voilà. Voilà. Chapitre 6, verset 3 à 4. Le chapitre 6, verset 3 à 4, Apocalypse. Or, la Bible dit, et le Seigneur de la paix, le Maître de la paix, qu'il puisse vous sanctifier. Dans Thessaloniciens, 5, verset 3. Chapitre 5, verset 23. La Bible dit, que le Seigneur de la paix puisse vous sanctifier votre corps, votre âme et votre corps. Que ça puisse bien être protégé jusqu'à l'avènement du Seigneur. Allons-y doucement. Le Maître, le Seigneur de la paix, qu'il vous sanctifie votre cœur, votre âme et votre corps. Que ça soit protégé jusqu'à la venue. C'est que akuna salama bila bwana wa salama. Donc il n'y a pas la paix sans le Maître de la paix. Sasa bwana wa salama atakwisha kutoka. Or le Seigneur de la paix sera déjà sorti. Kanisa lisha kwenda. L'église sera déjà partie. Watakatifu washa kwenda. Les saints seront déjà partis. Tu akuna fashi tunakuta maneno sa mkanisa. Parce qu'il n'y a pas l'endroit là où on trouve les problèmes comme dans l'église. Na akuna fashi tunakuta unafiki sa mkanisa. Il y a aussi, y a pas aussi l'endroit là où on trouve l'hypocrisie comme dans l'église. Bongo kweli. Kweli. Ni bongo ni kweli. Quand tu choisis seulement toi, déjà, dès aujourd'hui, toi, tu commenceras à s'occuper de nos problèmes. Le jour qu'on va te scandaliser, tu iras c'est à côté. Mais pourquoi est-ce qu'il m'avait pris? Alors tu vois ces choses-là. C'est la force du monde éternel. Ce sont les esprits impurs. Tu détruis. Tu retrouves l'hypocrisie qui a une dimension élevée. C'est pourquoi tu vas trouver une personne qui sourit même avec les frères. Mais il parle de critiquer à côté. Tout cela c'est quoi? C'est parce que Satan, il veut pénétrer les combats ou bien les désordres dans la paix. Ça, ça, il est wakati wenyewe bwana wa salama neno la mbato kwa furicho maneno mbeko vile. Asa ile sa yenye neno ina kote. Les gens sont, t'as pris la parole, ils sont comme ça. Lorsqu'il y aura la puissance de la parole, ça sera comme. Neno la Mungu alina. La parole de Dieu ne plus. Il n'y a plus le prédicateur. Rome takatif
Il n'y a plus le Saint-Esprit. Il y a le temps que nous nous trouvons avec beaucoup de problèmes. Mais le Saint-Esprit nous console. C'est pourquoi je vous avais dit, il n'y a pas l'esprit consolateur là où il n'y a pas les choses qui doivent attrister. Lorsque l'esprit sera déjà parti, le Saint-Esprit ne sera plus. Amen. Il a toga. Réveillez celui qui dort. Salam est à il n'a endolé. Amen. Tu as déjà vu une personne de dormir à 16 heures. Salam est à quoi condolé. Lorsqu'on aura déjà la paix. Qui salam a condolé. Après que la paix puisse être ôtée. La parole de Dieu dit. C'est pour que les gens puissent s'égorger. Quand il ouvrit les seconds sauts. J'entendis le second être vivant qui me disait, viens. Et il sortit un autre cheval. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Ici lui, ou les malaïques, cet ange-là, on vient donner le pouvoir d'ôter la paix. Celui qui va vous dire, c'est cela, c'est Jésus. Ou les malaïques, l'ange est donné le pouvoir d'ôter la paix. Cette paix, on a dit aux chrétiens, on a dit cette paix sera ôtée dans le monde. Donc la paix sera finie. Te respecter toi qui dis, c'est toi qui dis. C'est moi qui dirige le monde. C'est moi l'OMS. C'est moi tel. Toutes ces choses, c'est parce que la paix se retrouve dans le cœur des gens. S'il n'y a plus la paix, les pygmées que vous voyez, nous les avions vus. Moi je les avais prêchés dans des années passées. Si un pygmée, il était quelqu'un qui était obéissant, les travaux se cultivaient pour les autres. S'il trouve l'animal, il viendra changer avec les sabots. C'est lorsqu'il y avait la paix. Lorsqu'il pénétrait dans les choses, le pygmée commence à tuer les autres dans Tanganyika. Comme je parle avec toi, pendant 50 km, 60 km, c'est trop difficile une personne de marcher tout seul dans la brousse 50 km. Ce sont les mêmes pygmées qui commencent à tuer sur les gens. Ils tuaient les gens avec les flèches pour tuer les animaux. Aujourd'hui, c'est le débat. C'est manque de la paix qui pousse. S'il n'y a plus la paix, il n'y a pas la vie. Quelqu'un s'épandre, c'est manquer la paix. Lorsqu'une personne manque la paix dans son cœur, s'il y a quelque chose à conserver, il y a mal. Même lorsque les autres, si c'est les combats doivent sortir, j'ai vécu les combats. J'ai écouté les combats. Utilisez-si. Demandez-nous. De vous l'évangile. Nous qui te prêchons encore l'évangile. On a fait 7 jours, mon pauvre. On a fait 7 jours dans la brousse. Tu n'as pas encore vu le soleil ni la lune. Tu pars à un endroit inconnu. Tu n'as pas ce que tu vas choisir à manger dans la brousse. Regardez, aller dans le marché des Zambes, c'est la paix. Faire des commerces, c'est la paix. Les enfants étudier, c'est la paix. Faire la politique, c'est la paix. Parti politique, c'est la paix. C'est la paix. C'est que les gens doivent tous conserver Niamani. Tu peux accepter mon amen? On a dit qu'on bien. Amen. Je veux que les gens puissent commencer à me regarder en suivant tous les mouvements que je vais faire. Notion, il y a délivrance. Parce que la notion de la délivrance. Si vous êtes dans la prière, ma connexion. Les autres sont des connexions dans les chanda. Mouvement est bien contrôlé. Chaque mouvement sera très bien contrôlé. Tout ça m'amène à bien. Amen. Pika ma confiture tout fort. Acclamez pour la gloire de Dieu. Ce qu'il y a, écoutez.
akora kitu mtu hapo mtu wewe unaikala hapa na mambo ya baile kabila baile kabila unaona au créer ama vous vous ne créez pas la paix au moi comme le même kabila ino nyapata vous même d'abord dans votre tribu vous n'êtes pas convenant kwa kabila yako kuna kwa shimanga kwa shinya kwa shoa kabila yako les gens de votre tribu tu parles calomnier à un endroit là il y a pas de rassurer que absence ya ile kabila jo utaendelea nikini qu'est-ce qui te rassure que l'absence de cette tribu toi tu vas progresser qu'est-ce qui te rassure nikini c'est quoi. J'ai vu quelqu'un, au pasteur n'a plus ta discipline. Le pasteur dépasse avec ses disciplines. En tout cas, ma vérité à choix d'Adam. En tout cas, il dépasse avec des vérités qui n'ont même pas comme canisse. Moi, je vais sortir dans l'église. Comment on entend comme canisse dans l'auto? Moi, j'ai dit, ça m'embête quoi. Amen. Si tu sors dans l'église, ils ont pas. Où est le problème? Ça, ça a pas ni mon onge. Alors, lorsque je parle avec toi, tu as fait 3 ans. On n'a pas encore fait 3 ans. Et le juge va de rester à la maison. Écoutez, c'est dire. Je ne commencerai plus à fréquenter des églises. Parce que Jésus est dans cette église. Je trouvais d'autres choses. Je suis allé là-bas. Je suis allé aussi là-bas. Afin tu retrouves les églises fréquentées qui dépassent le nombre de 12. Et partout lui donne des fonctions. Et le juge de rester à la maison. Celui qui est mauvais, c'est les églises. Amen. S'il devrait être bon de sa sortie, il devrait aussi faire des bonnes choses. La mauvaise chose est du cœur d'une personne. Sur le cœur d'une personne, il faut constater encore que son chemin est bon. C'est ça même la perdition. Il y a les autres, ce sont des chats. Même si tu les jettes en haut, comment ça va descendre? Les chats vont descendre toujours. Même si tu tournes les chats comme ça, tu les jettes. C'est même avec ses griffes par terre. Amen. Amen. Ça veut dire, une personne. Ne peut jamais regretter pour ses forfaits, mais il est en train de gonfler par rapport aux reproches qu'on lui donne. Les autres papas dans cette église, nous vous félicitons vraiment. C'est vrai. Ça, je parle la vérité. Vraiment, félicitations. Félicitations, plus félicitations. Acceptez même une félicitation. Tu penses que c'est le caractère, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La femme, on ne peut jamais la trouver la raison. Le mari ne peut jamais trouver la raison auprès de sa femme. C'est elle seulement si on la prive la raison, même combien de jours ça s'est passé. Si tu es comme ça, tu es sorcière. Tu es sorcière. Est-ce que je parlais pendant la nuit? Je parle pendant la journée. Et je ne suis pas bénéficiaire d'aucune chose. Je serai bénéficiaire si tu peux changer. Amen. Amen. On peut seulement construire une seule chose comme ça. Cette chose qu'on vient seulement se voir. Non. Nous construisons la chose. Avec objectif. Pas moi dans l'ego. Objectif à l'objectif de l'église, c'est quoi? Tu étais venu avec des mauvais caractères qui te puissent changer. Tu ne peux pas changer par toi-même. Ce sont les gens établis qui ont la discipline de te changer. Alors si la personne est dans l'appui, il a la résistance de sortir. Si tu le donnes, c'est malachat. Il arrivera l'état auquel va te tirer même toi-même, tu risques de tomber là-bas. Si tu parviens, tu arrives à une dimension auquel le dirigeant commence à t'éviter. Il commence à t'esquiver, t'éviter. Tu vois même les bonjours, au moins de loin que ça se termine. Amen. Mais nous interdit pourquoi? Qu'on ne puisse pas faire des choses. Parce qu'il savait que dans les petites cités, il y a la maladie. Dans les petites cités, il y a des mauvaises choses. Dans les petites cités, pas faire les petites cités avec l'enfant de Dieu, pas te poignarder. Dans les 10 commandements, tout ce que Dieu a interdit, c'est par ton intérêt. L'intérêt de Dieu, c'est le
vas abandonner tout. Par après tu y es converti. La gloire là est la louange. Tu commenceras à rendre à Dieu. C'est ça l'intérêt de Dieu. Or la louange et l'adoration, c'est pas ce qu'on chante. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Jéhovah, Baba Mumba, Jéhovah, oh mon Seigneur. Ce n'est pas ça. Aïna, il est. Sifa. La louange. C'est lorsque tu étais avec. Si tu vois, bah, le voisin peut dire c'est lui. Oh, c'est ou bien ce n'est pas lui. Lui-même répond. C'est lui, vous voyez, aveugle. C'est moi. Mais ça peut vous rendre gloire. Parce qu'il y a le changement des choses. Ah? Amen. Yahweh, avec l'orgueil dans Yahweh avec la politesse. Qui sont parmi tu parles glorifier Dieu. Dieu est glorifié par nos actes et nos œuvres. J'insiste encore, je dis Dieu est glorifié par rapport à nos œuvres et nos actes. Et Dieu est adoré par la puissance du Saint-Esprit dans nous. C'est pourquoi la personne qui a le Saint-Esprit de Jésus commence à adorer. Il a communiqué à la païen. Il communique même les païens. Ce qui est opaque, c'est ça l'onction. C'est pourquoi tu retrouves la personne qui chante la chanson qu'elle n'avait pas répétée. Ça, c'est l'adoration encore. Mokonzi, prenez. Non. Si il y a l'onction du Saint-Esprit, tu peux te réveiller. Jéhovah, mon Seigneur. Une personne commence à soumettre sa valeurie. En faisant 2 minutes comme ça, toute personne commence à chanter. Mais tu vas te retrouver, tu ouvres les yeux comme ça. Les gens commencent à danser. Les gens commencent à glorifier. Les empires sortent. Pour quelle cause? Avec Dieu. Aussi à mon amour. C'est le Saint-Esprit qui adore à nous. C'est lui qui pousse à notre âme de bien adorer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce n'est pas un bon amen, on peut dire amen. Amen. Ce n'est pas un bon amen, on peut dire amen. Amen. Ça dit salama. Alors c'est la paix. Attends, même rester dans les mariages. Il faut que salama. Il faut que la paix soit là. Le mari est en train de dormir. Je ne sais pas quels sont les termes que je commencerai à employer. Le mari est en train de se coucher. Lorsqu'on ouvre les seaux là, la femme qui ramasse même si c'est les couteaux. J'ai dit que la femme poignarde l'homme aux jambes. Si je parle dans le ventre, c'est l'opprobre. La femme poignarde les couteaux sur son mari. La femme poignarde les couteaux. Directement, l'homme est mort. Si vous allez avec un chauffeur, on ouvre seulement ces seaux là. Le chauffeur se pressent de vous tuer vous tous. Il part avec vous. Seulement dans le terrassier là. Et si tu meurs au moment des ouvertures de ces seaux, tu ne peux pas aller au ciel. Non. Donc tu es perdu automatiquement. Parce que par là, il n'y a pas de pardon. Vous m'écoutez très bien. Moi, est-ce qu'il y a bien? Amen. Ça, c'est un danger à quoi ça pour rater l'enlèvement? Alors, le premier danger de rater l'enlèvement. Comment on a raté l'enlèvement? Si tu rates l'enlèvement, on mourit à quoi? Dans le premier saut, ou bien le deuxième saut, il est Seigneur, par exemple, il est mort à quand ça a été un chocolat qui va se jouer à l'enlèvement, n'est-ce pas? Amen. On ouvre le premier saut. D'amener le silence. Kimia. Le silence. Christ. Dans le même silence, tu tombes la crise. Ufa. Tu meurs. Ah, oui, tu ne pars pas au ciel. Oui, histoire connaît. Ton histoire termine. Tu pars au nombre de la résurrection de ces cadavres-là qui attendent le dernier jugement. Après toi, l'enlèvement. Donc après l'enlèvement, il n'y a plus le pardon. Dans le monde, il n'y aura plus le pardon. Alors les gens qui peuvent se sauver par leur propre essence, c'est le premier saut. Ouais, on a toi, tu meurs.
Tu es perdu pour des morts. On a déjà quoi? Tu vois le premier danger? Deuxième danger. Dans le deuxième saut, tu meurs. Ou bien toi tu tues les autres. Le mauvais Dieu entre ses mains. Tu poignardes les couteaux sur la personne. La personne meurt. Ou bien une personne te tape quelque chose. Amen. 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 Service à protocole, je ne sais pas. Distraction, moi, vraiment, il y a quelque chose que je ne veux pas voir. Commencez vraiment à visiter, à regarder les positions des gens. Je ne sais pas, je vois avec quel type de yeux. Amen. Amen. Danger à pile. Le deuxième danger. On ouvre les sols à doter la paix dans le monde. Toi, tu tues les autres. Tu n'auras plus au ciel. Ça te contraint seulement de faire de mauvaises choses. C'est pourquoi le chemin des justes est tout droit. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. C'est le moment ici. Lorsque les gens pouvaient avoir l'esprit de se repentir, il n'y aura plus le pardon. Comme on a ce qu'il nous dit, qui tu veux avec à 6 heures, tu t'en coutes pour tout. Si tu écoutes une personne qui dit quelle repentance de 6 heures en train de se repentir, c'est non. Attendez ce jour-là, tu vas chercher par où se repentir, tu ne peux pas trouver. Une maman a prêché cet évangile à la radio. Cette maman était l'amie d'une personne qui était plus proche de nous. Elle ne même pas écouter cet évangile. Elle refusait l'évangile. Elle restait dans l'impudicité. Au Monisco. Elle avait son argent. Toutes choses. Un jour, la maladie l'atteignait seulement brusquement. Elle était atteinte de la maladie brusquement. Après avoir la maladie, on l'avait amenée à l'hôpital Kisikibé. À l'hôpital comme Inaza, ça c'est l'hôpital des Camarins. Cette maman-là, elle voyait l'ange qui se présentait devant elle. L'ange lui disait: cherchez maintenant à arranger ta vie. Cherchez maintenant à arranger ta vie. La conscience lui troublait. Elle disait au docteur: cherchez pour moi un pasteur avant que je puisse mourir, que je ne me répande de mon épidicité, que je ne me répande de mon épidicité. La véritable repentance, c'est accepter d'avoir la honte dans les œuvres du péché que tu avais fait. Il n'y a pas celui qui accepte de tomber par terre sans accepter de se blesser. La personne qui a le cœur des arrangements, il ne protège pas son respect lorsqu'il cherche les arrangements. Il ne garde pas son respect lorsqu'il arrange sa vie. Amen. Tu n'es jamais répondu. Ils avaient commencé depuis Camarin jusqu'au niveau de Filtiza, jusqu'à de l'autre côté de Lukuka. Ils ont cherché dans l'Angalemi entière. Ils ne trouvent pas un serviteur de Dieu. S'ils arrivent dans cette maison, papa était là. Il vient de sortir maintenant là. Sonnez comme si le téléphone ne passait pas. Ça, ce n'est pas des choses à palper, c'est une histoire vraie. Ils arrivaient au point de ce pasteur. Il était ici. Il n'est plus. Jusqu'à ce que cette sœur, pour qu'on puisse trouver un véritable pasteur, on vient de trouver la sœur qui était déjà morte. Lorsqu'elle avait le pasteur pour se repentir, elle n'avait pas accepté de se repentir. Lorsqu'elle trouvait le pasteur de prier pour les cadavres, elle n'avait plus la bouche d'arranger avec. Il est temps maintenant, et c'est la grâce, de commencer à arranger ta vie maintenant. Vous savez, une autre personne a l'orgueil auprès des serviteurs de parce qu'il couche avec les serviteurs de Dieu. Si une personne a déjà couché avec des grandes personnes,
Elle ne peut jamais avoir la honte, même pas la honte dans ses yeux devant une personne qui est plus âgée. Amen. La parole de Dieu dit, wakati salama itaondolewa, lorsque la paix sera ôtée, itakuwa ni watu wafanye nini? Bawane. Bawane. Ça sera pour que les gens puissent s'étirer. Watu wafanye nini? Bawane. Mtu anapeleka watoto yake juu ya madawa, unawaua bantu bote. Tu upate makuta. Kisha wako ipate ile makuta na bila kuacha mtoto, ile makuta ni nani atachezaka nayo? Ndio. Itakufaidisha nini? Unashindwa na maskini mwenye kwa na bantu na batoto mea nabakulisha mkate na sikia ya kulia nabo kuliko wewe leo uko na nyumba na kila kitu mea mnyumba mna hata mtoto kucheza yo as unauua bantu alors tu tues les gens tu upate makuta pour gagner de l'argent unamaliza famille tu termines la famille sasa makuta yako alors ton argent kisha wewe kupita après ton passage bana batakai kula quels sont les gens qui peuvent consommer ça faidisha nini ça va te donner le potentiel à quoi. Dans Jésus, nous avons le bonheur. Viens te repentir. Viens amener les serpents qui est en train d'enchanter l'argent. Qu'ils soient consumés, qu'ils soient convertis. Parce que là, nous allons, c'est plus mauvais, plus pire. Le troisième saut. Amen. Dans le deuxième saut aussi. Si tu tues ou bien si on te tue, tu ne peux plus voir les cieux. C'est pourquoi moi je reste et je dis, si j'ai raté l'enlèvement, en tout cas, j'espère que tu cours au loin de moi. En tout cas, je n'espère pas de me sauver par mes propres moyens. Parce que tout, mon esprit est bien. T'inquiète, écoutez-moi. Je parle pas de Yokoka. C'est pour les gens qui sont convertis. Bah, ils savent que tu kimo ya. Ils avaient dit quelque chose. Asema, kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. C'est pourquoi Apocalypse anasema, Jean anasema, Mungu anasema kwa Jean, asema heri kwa wafu. C'est pourquoi Dieu parle auprès des gens, heureux aux morts, heureux dès à présent, heureux tangu sasa, les morts qui mettent dans les seigneurs. Wafu wafao katika. Pourquoi heureux pour eux? Kwa nini heureux kwa wale wafu? Parce que bon, parce que ils attendent le son de trompette avec la ferme assurance. Mais si, mais nous nous voyons encore avec ces gens ici. Un certainement tu te concentres pendant toute la journée. Ça ne peut pas arriver à 18h sans se rendre avec l'obstacle. Mais celui qui est encore mort au cimetière, il n'y a plus l'escandale auprès de lui. Il ne connaît plus les choses du mensonge. Il n'écoute plus aucune chose. Oh Seigneur Jésus, prends-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les églises restent dans les choses de... Nous sommes en train de réprimer dans la mort. Ce sont les églises auxquelles les gens mettent en désordre beaucoup plus. Mais nous les chrétiens, qu'il faut la mort auprès de nous. Premièrement, on ne met pas la mort des sorciers. Parce qu'un sorcier lui-même accepte. Amen. Les sorciers, est-ce que c'est faux? Pili. Deux. Et qui a Mungu anatupatia kifo? Si Dieu nous donne la mort, ça devient notre chemin. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus était transfiguré, Élie était à Paris, na Musa alionekana. Également Moïse. Biblia nasema, la Bible dit, wote walisemezana naye. Tous se parlaient avec lui. Yesu mwenyewe kubadilishwa sura. Jésus qui était transfiguré. Ina maanisha, ça signifie Elia. Élie alienda bila kufa, alienda mwalevuma. Il était enlevé sans la mort. Moïse. Alienda mbingu kisha kufa. Il était allé au ciel après avoir mouru. Bala alikufa. Lorsqu'il était mort, malaika makambeba. Les anges le prenaient. Maiti yake makaenda kuizika wapi? Les anges prenaient son cadavre pour l'enterrer. Makambeba makaenda naye. On le prenait pour aller avec lui. Moïse akaenda paradis. Moïse était allé dans les paradis. Ina maana hivi. Ça signifie ceci. Aina kuabudu bafu. Ce n'est pas adorer les morts.
wala kumufanya mtu anakuwa Mungu. Ou bien rendre une personne à la place de Dieu. Mwe Branamiste unisikie. Vule Branamiste écoutez-moi. Branham akiwa prophète. Si Branham c'est un prophète. Ni mtumishi kawaida sa batumishi bote. C'est un serviteur comme tout autre serviteur. Un message à copier le message à Christ. Il n'a pas le message qui dépasse le message du Christ. Juye ataongelea Christ. Parce que lui va parler de Christ. Sasa kama anaanza kuabudiwa sa Mungu. Si on commence à adorer comme Dieu. Unaweka ma photo ya vous mettez ces photos. Unaanza kuomba pa. Vous commencez à adorer sur ces photos. Il y a quoi kitu kingine aina kile kitu kikilecha Branham. Ça ça devient une autre chose, c'est pas la chose qui était laissée par Abraham. Ah, kile kitu ni kenye mnajua na Branham. Ou bien cette chose, c'est la chose que vous connaissez avec Branham. Wache nafsi za Mungu zimtafute Christ. Laissez les âmes de Dieu de chercher Christ. Mutoshe ma idolatrie. Enlevez dans l'idolatrie. Je vous parle tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Nami zungumza kama mtume wa Yesu Kristo. Parce que Jésus revient maintenant. Kwa sababu Yesu anakuja sasa. Les idolâtres ne le verra jamais. Waabudu sanamu wataona kama qui adore les gens. Wale wanaabudu watu. Même si je meurs aujourd'hui. Atana na kufamie leo. Le Seigneur est en train eko nafanya na mimi vitu vya mingi na atafanya mimi vitu vingi. Parce que le Seigneur fait avec moi beaucoup de choses et il le fera. Je serai un homme comme tout autre homme. Takuwa mtu kama mtu wote. Rien que Christ qui m'utilise. Paka Kristo mwenyewe anitumikisha. Na hata mitumikisha na mwenyewe. Et il va aussi vous utiliser. Na mtendelesha kazi ya Kristo. Et vous allez continuer avec l'œuvre de Christ. Mtoke makanisa ma idolatrie. Sortez dans les églises de l'idolatrie. Kuna watu wanahubiri kweli injili ya kweli. Il y a les gens qui prêchent l'évangile véritable. Comprendre Branham comme mutumishi na watumishi wote. Il comprend Branham comme un serviteur comme tout autre serviteur. Lakini nasemea iko wale wanamwabudu kama Mungu. Branham si Mungu. Mais je parle ceci à Mahomet si Mungu. Mahomet c'est pas Dieu. Kadima si Mungu. Kadima n'est pas Dieu. Kadima si Mungu. Kadima n'est pas Dieu. Kibangu si Mungu. Kibangu n'est pas Dieu. Ni watu kama watu wengine wote. Ce sont les personnes comme toutes les autres personnes. Si kama naeleweka vizuri. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Ni ile ndio nilitumwa na Mungu upi. C'est comme avait envoyé par Dieu de Christ. Ili kuavertir watu wajue nani watabudu. Pour avertir aux gens de savoir qui est-ce que tu dois adorer. Mungu aliabudu. Mungu alimuomba Kimbangu. Adorons Mungu alimuomba Nabe. Mungu alimuomba Branham. Mungu aliumba pote na ndivyo kiota Mungu akaniumba. Bale atuwezi tukabaabudu. On ne peut pas les adorer. Wale tutasikia maneno gani walisema na Mungu alisema nao. Amen. Lakini tunamwabudu Mungu pekee kunaisha. Amen. Tunasema amen na vie. Amen. Kwanza wenyewe kwenye wewe uko na regret kwa kuona una baabudu. Et même là où ils sont en train de regretter pourquoi est-ce que tu les adores? Yeah. Na wakati mnamwabudu, et lorsque vous les adorez, unampatia matatizo mahali alipo. Vous lui donnez les difficultés, les dangers là où il est. Maana Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Parce que Dieu dit moi je suis un Dieu jaloux. Je ne peux pas être adoré avec une autre personne. Unisaidie amen. Aidez-moi amen. Kwa hiyo ni wa messager kama wa messager wote. Alors ce sont les messagers comme tout autre messager. Na walifanya mission zao. Et ils ont effectué leur mission. Tosha confusion kwa babudu saba Mungu bana ba Mungu. Enlevez la confusion. Mimi nasema hivi, abana ba Mungu ni bantu. Amen. Ni nini? Ni bantu. Ni bantu kawaita. Amen. Kwa wale walitumikishwa na Mungu Bwana asifiwe. Amen. Kwa wale wakutumikishwa na Mungu Mungu aba Mungu akabahukumu pia siku za mwisho nyumba alipoteza manafsi. Amen. Amen. Hakuna rehema baada ya kufa. Il n'y a pas la miséricorde après la mort. Toke mbele bitu. Sortez dans ces histoires. Sadaka ya wafu. Les offrandes des morts. Leo ni ibada ya wafu. Aujourd'hui c'est le guide des morts. Tubaombe wale walikufa. Nous allons prier pour les morts. Mungu awahurumie. Que Dieu les pardonne. Hakuko tena msamaha. Il n'y a plus le pardon. Kisha huko toka mwi souffle de vie. Après sorti dans le souffle de vie. Hakuna prolongation. Il n'y a plus la prolongation. Amen. 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 C'est pas un bon amen. Aïe na mena bien. Donnez ta vie en Jésus. Amine Christ. Croyez le Seigneur Jésus. Ne croyez pas aux humains. Jomana mwenye kumwamini Christ. C'est pourquoi celui qui croit en Christ. Anaikala pembeni ya wale wako na Christ. Il reste à côté de ceux-là qui ont Christ. Na watamhubiri Christ. Et on va le prêcher Christ. Ule Yesu Kristo atakayekuwa ukomboa ulimwengu. Le Jésus Christ qui viendra pour sauver l'humanité, le monde. Amen. Mungu abibariki. Amen. Muhuri wa tatu. Le troisième sceau itakuwa ni kuondolewa kwa salama. Wa pili lisema kuondolewa kwa salama. Wa tatu itakuwa ni muhuri wa mauti. Troisième sceau ça sera le sceau de la mort. Pale watafungula muhuri wa tatu. Lorsqu'on va ouvrir le troisième sceau itakuwa ni kwa ajili ya muhuri wa mauti. Ça sera le sceau de la mort. Nilizungumzia juu ya Moïse na Elia nisipite. J'avais parlé à propos de Moïse et Elia de ne pas passer. Wale wako nafuata maenseignement mu chaîne yangu ya YouTube. Les gens qui suivent les enseignements sur le chaîne de YouTube.
Atao kiandika apotre Aaron Kihota utakutana mule mko enseignement yenyewe ni chaandika pale nasema Moïse et Élie mystère de l'enlèvement. Amen. Yani Musa na Élie asiria kunyakuliwa. Amen. Kwa hiyo pale fashion ilizungumzia anafe parlage avec kwa Moïse na represente bali be kufa katika Kristo. Amen. Que Moïse représente les gens qui meurent dans Christ. Ba Christ chakufa. Après avoir mourir, ababaki pa masapin. Il ne reste plus dans des sapins. Tout droit mbinguni. Tout droit dans le paradis. Dans le paradis. Paradis c'est un endroit. Le paradis du face où on avait réservé avant à l'Andalie les chrétiens convertis. Wa Kristo aliokoka. C'est un lieu de repos. Ni pa nafasi ya mapumziko. Amen. Amen. C'est pourquoi Moïse a combattu à couvrir la musique. Il ne restait pas sur des montagnes en train d'être enterré. Maïti yake. Son cadavre. Même Moïse. Alléluia quoi mal Mungu alijua. Il était mis à la place là où tu es connaissé. Na ile fashi. Et cet endroit. Ni mokifoka Abraham. C'est sur le sein d'Abraham. Na kifoka kwa liki Abraham. Et le véritable sein d'Abraham. Ni paradis. C'est le paradis. Na rudia tena ni paradis. Je retourne, je dis bon. Daniela pa musalaba. Tu vas me comprendre à la croix. Yesu anamwambia ule bwana. Jésus avait dit à cet homme. Ifi unakeuka. Comme tu viens de contourner. Na mokristo ni moyale keuka. C'est la personne qui avait contrôlé toi et moi aujourd'hui. Nous allons dans le paradis. Il ne m'avait pas dit nous allons dans les cimetières. Je serai dans les cimetières de Joseph. Toi tu serais aussi dans ma cimetière. Parce que les gens qui sont sauvés, ils ne plient dans les cimetières de Saba. Ils ne plient dans les tombées de Kamba. Ils ne plient dans les cimetières de Saba. Ils sont enterrés au ciel. Ils restent dans le paradis. C'est le corps qui reste dans les sapins. Parce que le corps n'ira pas. Ce jour-là, nous allons porter encore de nouveaux corps. Nous allons nous retrouver avec le Seigneur dans les cieux. On ne peut pas précéder les gens qui dorment. Parce que premièrement, ce sont eux qui sont d'abord en haut. Le paradis, c'est un endroit qui est bon. J'ai un terme que je vais intituler là où nous allons. Le paradis. Paradiso. L'enfer. Enfer. Et les heures. Na ewani. Tout à fond déjà pour ce paradis. Nous allons enseigner à propos du paradis. Parce qu'il y a nos frères là qui marchent avec des gros sacs, on les appelle les qui. Padunia. Ils disent que le paradis c'est dans le monde. Je paye pour le paradis. C'est là où il y a le paradis. Mon verset gars. Dans quel verset? Si tu lis dans la Bible, mon chapitre 12 des Corinthiens, dans le chapitre 12 des Corinthiens, Paul est en train de parler. Une personne a été enlevée. Si c'est en esprit, je sais pas. Si c'est en état dans la chair, je sais pas. Il était enlevé au ciel jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel. Paradiso. Dans le paradis. Paradiso comme Bingo Yatatu. Yatatu. Est-ce que le ciel est en bas? Jusa, très haut. Paradis aussi. Le paradis c'est pas ici d'ailleurs. Le paradis c'est au ciel. Il y a une confusion. Ça c'est une confusion. Tu apocalypse c'est où est-ce qu'il veut par la guitare vous avalise. Amen. Rome tacatif, pas la Rome tacatif, Rome tacatif. Amen. On est parti à Ben Abim. Amen. Nous prêchons tout le monde. Ici c'est l'évangile. Apanyanjile. De Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. Il okay, m'a donné pour que je puisse aussi vous donner. Si tu as les arguments. Si c'est toi qui as la vérité, ce que nous parlons c'est si tu es un mensonge. Viens avec tes écrits qui disent que le paradis c'est sur la terre, dans les mondes ici. Amen. 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 Tena Biblia nasema entre Abraham na kule kulikuwa tajiri palikuwa shimo mrefu. Amen. Yaani ni ça, c'est très loin. Enfer ni hapa chi. L'enfer c'est ici en bas. Là en bas, là en bas. Paradiso. Le paradis c'est en haut. Peu de distance. Il y a une distance. C'est pourquoi tu as comme on aime faire visiter. C'est pourquoi même si on te fait visiter. Bah on a comme la commencer mani tunnel moya ici. Amen. Ni ti tunnel moya. Un tunnel moya. Si vous entrez seulement dans le tunnel. Où comme chiffre. Il y a des chiffres. Je m'enferme. C'est là dans l'enfer. Dans le paradis. Mais dans le paradis. Amuna mze. Il n'y a pas un ancien. Kiana, il n'y a pas un chef. Amuna nani. Il n'y a pas un qui. Watu wote sawa. Tous sont égaux. Na âge moi bacha viweka. Même âge là qu'on a. Parce que c'est encore les âmes. Nafsi zekan. Là
femme ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit. Amen. 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 Christ est pour lui. Il est un amen à vous encourager. Amen. Mon ami, vous me laissez? Tout pas moi. Nous sommes ensemble. Que Dieu te bénisse. Et pour la gloire de Dieu. Moïse en a représenté pas les béniers pour la katika Christ. Alors Moïse représente les gens qui dorment dans le Seigneur. Pour qui j'accouffe. Si tu meurs, tu n'es plus dans les sapins. Je suis allé réprimander certains enfants. C'est arrivé le jour de la mort de leur père après une année. Ils ont mis les deux pendant toute la nuit. Je les avais dit, lorsque vous plairez, ne connaît plus les histoires qui se passent ici. C'est pourquoi David avait dit à son ambassadeur, moi je pars dans les chemins de tout le monde. Là où je pars, toi tu viendras. Mais moi je ne retournerai plus chez toi. Même si tu pars au sépulcre, tu commences. Papa qui est mort, regarde comme ce pasteur me domine. Il ne peut pas se réveiller. C'est du sens que ton père arrive. C'est que nous l'esprit Venis, moi, mon ami, Venis. Ça veut dire que c'est en français, par le Panjar. Amen. Ça veut dire que c'est l'esprit qu'on appelle par le français Panjar. En Rome, les Romains l'appellent Venis. Attends, comment les fans ont-ils là qu'on a dit que Panjar ou bien Venis à quoi nous y waka? Pour y assez manger, on est esprit des morts, nous Panjar Venis. N'a qu'à mon y waka, mais ton abandon n'a pas eu. Amen. Fais comment nous parle? Akuna. Venise ou bien Pantia? Venise ou bien Pantia? Mon classification des démons. Dans la classification des démons. Les démons ou à monnaie que pour moi que c'est un démon qui porte la mort. Comment le démon Satan a bouffé là? Si le démon là est ouvert par les diables. Tu peux te raconter une personne qui est vivante. La personne a maintenant la force. Il peut même taper tous les médecins. Si c'est un enfant. Il est seulement en train de jouer. Tu retournes seulement. Le chien à eau, cet enfant est tombé en extase. Oui. Amen. Mais si on commence la prière, vous pouvez faire même 10 heures du temps. Tu verras pour que cet esprit sorti, cet enfant va faire caca sur place. Et enfin, il va aussi faire pipi. Si tu vas seulement faire ces choses là, il fait pipi et il fait caca. Tu verras ses yeux qui vont retourner. Amen. On a déjà fait la délivrance de ces démons-là beaucoup plus. Amen. Amen. C'est ces démons-là qui viendra. Il vient consoler. Tu vois mon enfant. Il peut pas même les boucles. Tu penses que c'est un cadavre. Amen. 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 Tu mets dans le parapluie. Ni quoi faire mes assurances? J'ai la ferme assurance. Si ça fait accident, je ne peux pas faire mais il y a du coup mais c'est dans mes mains. On avait enterré la main en haut. On avait accouru à Kakuria. Le cochon est venu pour consommer cette main là. Une personne qui est morte ne s'est pas protégée. Et depuis sa mort, il n'est pas encore ressuscité. On veut même les autres ici. Tu vois comment regarder tant ma photo toi. Au nom de Jésus, mes photos sont américaines. Amen. Au nom de Jésus, mais la photo d'un américain. Mais toi, tu prends une personne qui consomme les boucaris. Tu prends, tu mets sa photo là-bas. C'est ça la ferme assurance. Fuyez l'idolâtrie. Jésus revient maintenant. Que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Que tu ne puisses pas mourir hors de la volonté de Dieu. Un chrétien t'attend des chemins. La mort et la vie. Nous devons être prêts. C'est pas seulement attendre les sons de trompette.
également attendre les jours de l'enlèvement. Et que si c'est la mort, c'est un bénéfice. Il part se reposer. On ne peut pas le précéder. Il était parti dans l'enlèvement. C'est l'exemple des gens qui sont vivants, qui seront enlevés. Les gens qui sont morts ne peuvent pas le précéder. C'est pourquoi Moïse était décédé depuis avant. Il était pris par après. Élie est venu naître. C'est des années après des années. Lui s'était enlevé. Mais ces jours-là, il s'était apparu devant les seigneurs. C'est le jour de l'enlèvement. Les morts. Et les gens qui sont en vie. Il n'y a plus qu'une personne qui va précéder l'autre. C'est pas celui qui précédait. Moïse. Élie qui était parti derrière. Tous, ils étaient apparus à elle. Seigneur, aidez-moi. Ce jour-là, Jésus-Christ est vous. Dans toutes sortes de choses, que ce soit la mort, que ce soit la vie, amen. Amen. Je prêche le véritable chrétien. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis partout. Toi, Yvron, tu vas accepter amen de quoi dans la bouche et à l'hôtel de l'alcool. Tu dors dans l'alcool. Qui t'a quoi aussi? Lorsque dans la bouche il y a les problèmes des gens. Non, non, monte, c'est ma amen. C'est quoi dire qu'une personne même si on dit amen. Nous te comprenons parce que la bouche a pris la charge. Alors si les sons de trompette sont, tu iras où? Le chrétien vous demande bien. Est-ce que vous avez un vous êtes là, si la personne est absente, il est même présent dans le mensonge. Parce que les péchés aident toujours les péchés. C'est pourquoi c'est Babylone qui va aider Égypte et c'est Égypte qui aidera Babylone. C'est fini. Alors s'il y a les gens de la journée, Tu vois que cette danse est dans la tchao. La danse qui n'a même pas de l'onction. Bon, mon quoi? C'est Kato Morio. Ils peuvent jouer des prochains pour nous les sorciers. C'était les choses de nous les sorciers. On a dit tu vois que tu te connais que c'est un problème. Mon Christ, un chrétien. Lorsque la parole est prêchée, ça devient le miroir. Est-ce qu'ici? Si je retourne, il y a un problème. On avait délivré. Vous savez comme moi, comment est-ce que moi j'étais délivré? Mais il n'est pas t'appelé quoi à 15h à 5h du matin. Moi j'ai trouvé l'appel de 15h à 5h du matin. Il fait tout comme ça pendant la journée. Moi je vis Jésus. Et je le vis encore. Tu m'écoutes? J'ai déjà trouvé la grâce de voir le ciel. C'est pourquoi j'ai un point d'autre évangile à te donner. Parce que la vie éternelle. Reste aux gens qui sortent dans Sodome et Gomorrhe. Sodome c'est les morts. Sortir. C'est aller dans l'enlèvement.
kupumzika. Ale se repose. Haimaanishi ukiacha manyumba. Sasa sivi basi ile de maison. Sodoma na Gomora wewe Loti. Na Sodoma na Gomora tu Lot. Jo inamaanisha kule kwa tena utajenga tena nyumba. Sasa sivisa basi sivi Lot. Là tu iras tu peux pas encore construire. Hata mu rocher unaweza kupata mauzao. Même dans le rocher tu peux trouver la prospérité. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Amen. Sasa alors j'ai trouvé cet appel. Mais quoi le problème? Moi, j'avais un problème. J'ai prié pour les malades en trouvant même la guérison. Moi, j'avais une maladie incurable. J'avais une maladie qui était héréditaire dans notre famille. Cette maladie était la maladie d'hernie. Moi, j'avais l'hernie interne et externe. Même si j'avais gêné prier, je vais prier pour les gens, ils seront guéris de l'hernie, mais moi, j'avais l'hernie. Comment est-ce que j'avais décroché ma délivrance? J'avais gêné autant de jours faux. Un jour, un prédicateur prêchait. Il avait touché un point. Il avait dit les gens là qui étaient surtout les enfants des chefs coutumiers. Il dit un animal en train de dire que les petits-fils puissent venir manger. Si vous tous les petits enfants vous allez manger, vous serez connectés. Si vous pouvez avoir quelque chose qui peut être héréditaire dans votre famille, ça commencera à venir dans vous tous. Lorsqu'il prêchait cela, moi je devrais dire ceci. Il me critique moi l'enfant des chefs. Tu vois comme il est en train de manquer le respect. C'est comme ça que je devrais parler. Mais moi l'esprit de Dieu, lorsqu'il avait touché les points là, ah, c'était comme si Dieu m'avait pointé. C'était vraiment mon problème. Je me rappelais lorsque j'étais encore enfant. On allait dans des vacances. On avait tué cette poule. On avait mis pour que les petits enfants puissent venir. Pas écraser l'os. J'étais encore païen. Je ne savais pas quel était le salut. On avait mangé. On remarquait que dans notre famille, tous les enfants garçons, ils souffraient toujours de l'hernie. Tu m'écoutes bien? Tu as remarqué que par tu vois quoi pour y aller? On remarquait parmi nos sœurs qui mangeaient cela. Plusieurs. Ne restez pas dans le mariage, dans un mariage seulement. Ça veut dire la délivrance, c'est enlever la honte de ses réponses. J'étais pasteur avec beaucoup de gens. Mais c'est un visiteur qui était venu prêcher cela. Il avait appelé quels sont les gens qui vont arranger. Moi, le pasteur, j'étais le premier. Avant que je t'apprenne ça, il n'y a pas de capital que tu passes ni mani. Ne te glorifie pas. Alors, ça veut dire que tu vas faire un cadeau au coca. Amen. Lorsque Dieu m'avait appelé, Seigneur Jésus m'avait envoyé dans cette église pour témoigner des mauvaises choses que vous faisiez dans notre famille. Je passais dans chaque église en train de témoigner. Et je me répandais en pleurant. Je ne savais pas les pourquoi. C'était la délivrance. Toi, tu avais apporté ces 6 grossesses. Ça serait difficile si tu n'arranges pas. Amen. Il y a des autres qui avortent même dans le mariage. Il y a combien d'enfants? J'ai dit 10. Il me dit, toi tu vas mettre beaucoup au monde, j'ai dit encore beaucoup plus. Kisha mta continue bo. Unajua basi hii maisha yenyewe mesa wa mtoto tu moya. Yako ajitopola. Mi wa desi. Sidi topoli. Amen. Kwa hiyo hata bakikua kombie sana. Basi puru yeye. Pole. Yako na mtoto imamesa. Ndio nataka kupomozeka. Aongeze vya mingi. Amen. Mimi na susi yake tu hii. So susi. Nikaiona tu tusiende mbali. Pole pompe spale. Analiza kwa mtoto ngapi? Imani. Mesa 10. Amen. Asa, kwa hiyo utazala kweli sana, mesa tena sana. Njoo ni mjeweza tena sana. Je vais répondre et encore beaucoup plus, je vais mettre au monde. Ah, ikamgusa. Asa la vitu. Kwa hiyo kwenda kuna mkosa sasa. Là où devrait aller. Utakuwa maneno kama una mtu unampatia tu mama anapora tu mingi mingi sana. Sasa kwa mnafiki mwenzao. Amen. Ni pale pia atakupatia kaneno njoo vile tutaona tutaangalia kesho atakia tena. Amen. Si bado sababu barabara na bafisa ba barabara. Yo. Kanino kanakuya mpaka unakia kwa mbele kanene tunaisha na tunakusaidia. Amen. Kisha tunakubeba kwa ule mtu au tunakusindikiza huyu mtoto wako alikuwa problem fulani. Unajua wakati wengine sasa mtu fulani alisema hivi.
La Bible nous réclame les arrangements. Oui, elle te marie toi au pas les choses de se cacher derrière quoi, non. Papa, il va passer transport, ça attends. Maman comme l'eau, on a ses magama. Pourquoi transport là qui nous chine tout le jour? Pourquoi n'allez-y? La sœur là m'a appelé, elle m'a dit, tu n'as pas de Amen. Sors avec ton hypocrisie. Oh, papa, ne papa, j'ai ton oh, laisse-moi parler. Oh, c'est oh, telle personne. Ah, bien, et t'avais dit ça? Il faut éviter ma compréhension. Il y a quoi ça passe. Amen. 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 C'est ça la manière de la chrétienté. Si tu pars chez une autre personne sans avoir voir la personne en question, c'est ce qu'on appelle c'est ça même le péché. Tu as violé le principe. Parce que tu as violé le principe. Oui. Amen. Amen. Ça va. Oui. Pika makofi. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Alors écoutez-moi très bien. Moi je maintenais, je vous ai dit, cette affaire devant l'église, je parlais. Après avoir parlé, les autres passèrent. On avait prié Dieu. À la sortie de là, jusqu'aujourd'hui, je suis là. Je suis en vie. Je voyais l'intérêt de la véritable guérison. Lorsque je me répétais en vérité, les choses que j'avais fait avant ma conversion. Ça va? Oui. Quand on a Amen. Ce que tu laisses encore, c'est ce qui te bloque. La parole de Dieu est prêchée tous les jours, c'est pour que tu puisses te vérifier. C'est pourquoi ça se prêche pas là-bas, ça se prêche là où tu es, ça te concerne, c'est pour toi. Il y a une personne qui peut faire cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Ainsi, Joseph est témoin. Un jour, je m'étais si j'avais dit. On est entré dans la soirée des amoureux. J'avais enseigné. Après, je l'avais dit. Toute personne va arranger avec son mari. Et chaque femme également avec son mari. Et chaque mari avec sa femme. Toute personne était damnée. Mon mari, pardonne-moi. Dans mon parcours, j'avais fait ça. Moi, j'avais avorté comme ça. Les gens disaient ceci. Ce pasteur a fini le mariage des hommes. Que Dieu soit loué. Beaucoup de mariages étaient bien récupérés. La confiance est entrée dans beaucoup de mariages. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé les divorces. Au contraire, il y avait l'ajout de l'amour dans plusieurs. Combien de gens qu'on est avec eux dans la soirée là? Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, les hypocrisies.
C'est le sort de la famine. Chapitre 6, verset 5 à 6. Donnez son nom à Jésus. Amen. Ouvrons Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6. Ufunuo sura sita musari sura sita musari wa tano hadi sita. Ka ilouvri le troisième sceau. Na alipofungua muhuri wa tatu. J'entendis le troisième être vivant qui me disait. Nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema. Viens. Njo. Je regardé. Nikaona. Et voici Paris un cheval noir. Natazama farasi mweusi. Celui qui le montait était une balance. Naye aliene plutôt. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Naye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Et j'entendis au milieu de quatre êtres vivants une voix qui me disait. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wane akisema. Une mesure de blé pour un denier. Kibaba changano kwa nusu rupia. Et trois mesures d'orge pour un denier. Na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia. Fait point de mal à huile et au vin. Wala usizuru mafuta wala divai. Amen. 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 Muhuri wa nne wa tatu. Le troisième saut itakuwa ni muhuri wa kuleta nja. C'est hapo amener la famille. Na ile muhuri et c'est cela. Jo ile muhuri c'est cela. Yenye itafanya mnyama wa kwanza ajitokeze sasa. Tu verras l'apparition de la première bête. Jo kazi ya mnyama wa kwanza. C'est le travail de la première bête. Tu vas kusoma vanaweza kusoma. Si on peut lire. Mais qui connaît pas kusoma vanaweza kusoma. Si j'ai les lecteurs, ils peuvent lire. Daniel chapitre 6 verset chapitre 7 verset 6. Daniel isura ki ya sita musaka ki wasaba. Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 18. Ufunuo sura ya 13 mstari wake wa 16 hadi 18. Chapitre 13 verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Verset 15. Et il lui fit donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui l'adoraient, qui ne l'adoraient pas, l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tout, petit et gras, riche et pauvre, libre et esclave, requisent une marque sur leur main droite. Et ou sur leur front, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Et c'est ici la sagesse, que celui qui a des intelligences calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'un homme, et son nombre c'est 666. Mais le nom de ce nombre, c'est le nom d'un nom. D'un nom. D'un nom. Amen. C'est que nombre à 666. Le nombre de 666 a été béni mon esprit. Ne marche pas dans l'esprit. Il a été béni mon machina. Mais ça marche dans des noms. Et c'est ce nom-là et là avec les gens qui sont forts. Et soulevé et tenu par les gens qui sont forts. Amen. Ile wakati watafungula muhuri wa tatu. Lorsqu'on va ouvrir le troisième sceau. Itakuwa ni kwa ajili ya kuleta njaa duniani. Ça sera pour amener la famine dans le monde. Tuondolee wote kuleta njaa duniani. Kuleta njaa duniani. Wewe kwa mbele tu njaa na kifungo. Toi d'abord la famine du jeûne. Mungu anasema funga 3 jours nitakupatia kazi. Je te donne de jeûner 3 jours, je vais te donner l'emploi. Wewe mwenyewe unamwambia pasteur action de grâce unifungie tu. Toi tu donnes l'action de grâce au pasteur qui peut jeûner pour toi. Tu vas rater l'enlèvement. Banga mchana. Combien de gens qui ont déjà jeûné 3 jours sans manger, sans boire pendant la journée et la nuit? Il est haché à couvrir. À ton âge là. Depuis le baptisme. Depuis qu'il s'est baptisé. Aujourd'hui, fumera ta des jours. Tu n'as pas encore jeûné même des jours. Tu es chrétien par rapport à quoi? Comment résoudre les péchés? Comment vaincre la compatibilité? Comment vaincre l'ivrognerie? Tu n'as pas encore fumé la nini. Nakumba. N'importe quoi, ma pépo. C'est toujours les esprits.
Bulozi ni pepo. La sorcellerie c'est l'esprit. Les petites c'est l'esprit. Bulozi ni pepo. Les vols c'est l'esprit. Ubovu wa bahati. La paresse. Osi mupe bulozi kifungo njoo kusema bulozi utamtoka. Amen. Amen. Aussi, oui. Ne pensez pas que si tu donnes le jeûne à un sorcier, la sorcellerie va quitter. Un sorcier peut être dans le jeûne de 5 jours. Et la nuit, pas manger dans les tchanda. Amen. Si on a le bien. Amen. Amen. Priez pour moi que j'abandonne la vie. Il n'y a pas de miracle d'abandonner. Vous allez le rendre, il va laisser la vie. C'est la décision. Ni ouamsi. Quiconque attaque. Abanako. Ils ne sont pas là. Abanako. Ils ne sont pas là. Ça, ça. Il mourit d'abord pour être déjà. Alors, ce soir sera pour amener la famille. On ouvre seulement pain. La famille commence. Tu vas d'abord la famille commence. Alors, la famille qui sera, ce sera pour la punition. La famille qui n'a jamais été dans les morts. Enseigne-toi au moment de Samaria. Lorsque la famille entrait, les gens arrivaient au point de manger leurs enfants. Une personne qui mange son enfant. Une personne qui cherche même les caca. Qui cherche même les excréments de pigeons. Et il manque cela. Nasema. La Bible dit. Les excréments de pigeons étaient vendus. Les gens bouillaient cela pour manger. Dans la dimension que la personne mange l'enfant. À cause de la famine. C'est ça dans Samarie. Regardez dans Somalie. Il y avait beaucoup de familles. C'est pourquoi tu vois les blancs. Et les noirs. À un certain moment, les scientifiques ne nous aiment pas. Et ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Nous avons la terre. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de détruire notre terre nous-mêmes. J'ai mon ami que nous sommes voisins dans la ferme. Lui, il prend maintenant des herbicides. Il verse. Ce sont les acides là. Et on a l'ongoula. Le cerveau qui se brille. Amen. 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 Alors que j'ai dit que ça ne commence plus à sortir. Aujourd'hui, ça ferme. Il veut même les pratiques de cultiver avec les engrais. Et les gens qui soutiennent cela. Après des années, je vois. Parce que c'est la terre qui est en train d'être polluée. Et enfin, ça va échouer même des produits. Pour quelque chose. Après que des germes puissent terminer, qu'ils puissent commencer à nous amener des farines dans les sacs. Lorsque la famille va régner, qu'ils puissent encore nous dominer. C'est pourquoi tous les éléments qui sont des corona et des malaria. Il les accepte. Toujours ceux qui sont les qui Bantusasi. Les personnes comme nous. Que Dieu nous aide. Vous puissiez être enlevé dans l'église. Tu dois sentir la paix, le monde. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. L'amour est dans les traits noirs. Si tu ne gardes pas la foi, ça sera un problème chez toi. Si nous, des amis, ce jour-là, lorsque nous allons monter. Nous allons chanter ensemble avec l'agneau. Nous serons très loin du feu qui sera la famille. Sera grande. La famille sera grande. Dans des dimensions que la personne n'aura pas le droit de manger une autre personne. C'est par là le travail de la première bête va commencer. La bête va commencer son travail. Ça veut dire toute nourriture sera dans le nourrit. Si tu trouves aujourd'hui, ils en sorcellent. Ils en sorcellent même la terre.
Munisikie mbele kanisa. Écoutez-moi église. Comment on pratique l'église? Il y a d'autres pratiques. En étant chrétien. Quoi qu'on au Christ. Nous allons nous épargner de cela. Si comment on esquie bien. Amen. Mungu aliweka cerveau mkichwa kiako. Dieu a mis le cerveau dans ta tête. Anaweka tena cerveau mumikule ya nyama. Il a mis aussi le cerveau dans les jambes de l'animal. Bongo kweli. Kweli. Kama tunakulia kakuku, si nous mangeons la poule. Mutambo wako ni kuvunja kamfu. Kamfupa. Unabeba tena ile cerveau. Mhm. Inarudia ku renforcer nini? Cerveau amkichwa. Bongo anatuletea kuku wa shop bongo. Kuku wa shop cerveau. Kuku wa shop. Kuku mwa tokulia kamfupa. Amen. La poule que tu dois pas manger là. Basuba na katala kufuga nguku. Les gens échouent mais refusent même de berger. Et vous avez les poules que vous qui tokotesha, alia vile ngozi na vimba bunene. Uruma. Vous savez cela? Tu sais cela? Il ne mange même pas ça. Et dans les choses pitoyables, nous nous sommes les fermiers. Tu peux retrouver plusieurs en cause. Ce sont des poules qui meurent. Ils prennent cela très d'arranger. Ils arrangent cela très bien. Amen. Parce que vous refusez des usages naturels. Deux semaines, trois semaines, vous n'avez pas katala. Vous n'avez besoin de lenga lenga il y a une semaine. Alors les graines des amarants de deux semaines, trois semaines se perdent. Des graines de maïs qu'on semait sans avoir mettre même le remède. Ça arrive dans la dimension réelle. On ne sait pas, nous allons encore semer quel type de maïs. Bien aimé, je vais en parler. Ça va. Okay. Vous allez m'accepter même par après. Là vous allez arriver. Avec votre monde. Les soucis c'est quoi? C'est comme ça la terre doit tout se détruire. Qu'on soit imposé de payer l'engrais. Qu'on paye même l'engrais. Qu'on paye même le vitamine. Amen. Un frère alors. Parce qu'il est arrivé aux États-Unis. Ils échouent à prêcher dans le vaccin. Le vaccin. C'est ce qui nous garde. C'est vrai. Qui t'avait donné? Amen kanisa. Amen. Amen kanisa. Amen. Le sang de la famine. Lorsque ça sera ouvert. Si tu vois les gens qui mangent les nourritures de remèdes. Parce que bien madame, on est qualité. Amen. Ananas, yadawa. Orange, yadawa. Citron, yadawa. Kila kitu kia yadawa. Kisha mwanamke tena ile orange yadawa. Banaifanya tena dawa. Ya. Ya siro, banaiweka tena mudawa. Kisha kuna ukakopo banatia ko anana me anana ya dawa kisha banaifanya tena dawa kisha tena banatia mo dawa. Amen. Mira. Pamwambia mtu kile natumo inama mtu wa ngazi nani kama ni waembe sasa ile vya zamani na love money vya bashenzi ile teme love money to kwa kioko au ndio kubula kuzungu. Ministre.
Bongo kweli. Mungu eh. Atakurudisha kule ni kutosha. Amen. Mavumbi utarudi kule ni. Kuma vumbi. Amen. Sina kule. Yesu pala. Mahuri watatu. Le troisième saut. Ni wanja. Sera pour la famille. Sabata ufungula. Lorsqu'on va ouvrir cela. Akutakuwa kula. Tu n'auras plus manger. Kuzisha. Ni vendre. Uza. Ni acheter. Bila kuwa na kashe 66. Mais wanasema mwenye kuwa na akili. Mais on a dit c'est lui qui a l'intelligence. Ahesabu. Qu'il puisse compter. Ile. Cela. Ni jina ya mtu. C'est un autre homme. Il y a un terme qu'on appelle programme. Le programme mondial. Mondial. Alimentation. Je parle de l'année. Manake. Hein? Programme mondial. De l'alimentation. Ah. Programme mondial. Ah. Ça, ça tourne pour les poils. Mondial. Programme alimentaire mondial, hein? C'est bien, c'est une organisation, hein? Il y a les Nations Unies. Nations Unies, c'est au monde de Mataïfa. Au monde de Mataïfa. Ça, c'est comme une organisation comme au monde de Mataïfa. Quand ça me dit, église, une organisation comme au monde de Mataïfa. Nous, il y a un programme à faire. Il y a Tchakula, alimentation, c'est un programme alimentaire, n'est-ce pas? Yakuri. Seigneur Ville. Amen. Vous n'avez pas de la bonne et de comme on est. Je ne sais pas si nation est constituée. Et de Afrique est là. Vous n'avez pas de bonne jaune? Bois jaune. Vous n'avez pas de caca? A tout de suite. Bon, moi, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Bon, pourquoi? Bisha, vous expliquez à moi, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Je ne sais pas si tu es prêt. Mais tu es De là que tu vois. Tu es là que tu vois. Tu es Biblia. Mais tu es là que tu vois. Date d'expiration. Ni bantu wote vois. Français kusoma kama là que tu vois. Tu es 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 là que tu tunachunga maji watu watatutengenezea na tungoe pia kufa na watu watuue sijui kama unasikiliza pia amen sasa hii ma program yote ala kule boga hivi una prepare kitu hiki prepare these shows Abraham alirenonce kama Sara ni bibi yake Abraham avait renoncé comme Sarah était sa femme pourquoi il avait renoncé Sara na bibi yake Sara n'est pas sa femme tu as dit pourquoi si tu as njala à cause de la famille non Yes. Alors cette famille sera envoyée par Dieu. Par Dieu. Ma démon, est-ce qu'il y a qui les démons ne sentent plus la famille parce que les démons ne mangent pas. Ils seront libres avec le fouet pour fouetter. Maintenant toi. Toi qui étais resté. On commence avec toi. Tu as la famille de 5 jours sans manger. Il y a 50 jours sans manger sa voix. Le fouet qui te suit. Le fouet qui te suit. On te brille d'abord. Pour le moment, c'est ce qui s'est ouvert. 66. Il n'y a pas de truc dans les marchés. Si tu n'as pas ces sauts. Si vous voyez aujourd'hui, la personne sans vaccin, tu ne voyages pas. Le diable est en train de tenter. Dans Apocalypse 13, ces choses n'ont plus la force. Parce que l'église ne sont pas encore partis. Nous qui avons le Saint-Esprit ne sommes pas encore allés. Il prépare. Comme ça sera. Ce que je pense, c'est pour moi, ça se trouve dans la Bible. Amen. Il n'y a pas vendre ni acheter, kusoma wala nini, étudier quoi, bila kuwa na alama, sans avoir les sceaux. Pato kuwa na alama ya sisa, 66. Na mtu wote mwa tampatia alama sasa. Et puis Dieu. Et puis personne qu'on va lui donner les sceaux, ça se sera comment? Toko bade munyumba. Nous sommes allés dans la maison. Ami ndala nipika bo. Moi la famille qui me dépasse. Des mots na kuya. Des mots qui viennent. Bien. Avant d'aller ça wole kuwa ndio ministre. Attends. Yo ni mtu yo jele tafungulia njoo ya mtu. Tout cela sera. Ma démon a nous a sema après cette étape, si tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Il faut que tu n'as pas fini. Pandoku, moi, je suis un peu plus de temps.
Amen. Celui qui va la souffrance, c'est celui qui va ces jours-là. C'est pourquoi les gens qui vont mourir avant l'enlèvement, ils seront en enfer. Ils vont continuer à souffrir. Amen. Et ils ne peuvent pas voir cela. Et ils commenceront à vivre cela dans l'enfer. Toi, c'est dans ton corps comme ça. Pendant 7 ans. Kanisa, l'église. Et puis, si tu meurs là-bas, on te tue, tu meurs. Tu pars encore dans l'enfer. La souffrance est toujours là-bas. Je vois, j'ai pitié du monde. Jésus est sauveur. Dis trois fois, Jésus est sauveur. Jésus est sauveur. La conversion de Jésus qui nous a sauvés. Le salut de Jésus qui nous sauve. C'est ici maintenant. De nous épargner avec ces choses. Il y a un seul chemin. D'abandonner les péchés. D'être converti. De se repentir. Chercher le Saint-Esprit. Vivre la vie sainte. Amen. Ah, Mimi, non. Tu es dans la famille de 50 jours. Même les gens qui ne se soulèvent pas. Qui acceptent Jésus. Toi, c'est mal léger. Tu sors dehors, tu manges les biscuits. Mon frère, comme c'est forcé, nous qui avons la famille. Amen. Je te dis, c'est sauvé par tes propres sens. Amen. Ça c'est la souffrance. C'est ce qu'on appelle lui. Il dit moi je renonce à Jésus. Tu insultes Jésus, tu insultes Jésus. Afin le donne va payer. Va manger la nourriture. Mais la souffrance commence toujours à souffrir. Il part à se manger. On est en train de mesurer les temps de manger. Amen. Amen. 22 heures. Quoi qu'il pivo. Tony est à quoi prison? Le monde sera la prison. Namonia est à quoi directeur de la prison du diable? Et celui qui sera le directeur de la prison sera le diable. Lui n'a pas l'amour, on n'a pas la miséricorde, ça sera comment? Amen. L'église de Dieu. Je vous prêche. Avec beaucoup de risques. Mais si vous allez échouer d'écouter ça. C'est pourquoi dans l'église abandonner les problèmes. Amen. 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 L'amour ce n'est pas, faire croître les problèmes, c'est arranger l'amour. Amen. 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 L'amour c'est pas celle-là. Alors écoutez-moi. Lui il vient avec sa nourriture. 66. Et tous les gens qui s'adhèrent avant millions de dollars. Tu vois une personne qui a des milliards de dollars. Mais on est en train d'enterrer son frère, c'est le mauvais cœur là. Alors cette personne sera votre chef de classe. Il est qui finit dans le monde qui le dit. À cet âge, même toi qui le dit. Où est Kankaro le Christ? Que tu sois un Kankaro le Christ. Que tu sois dans le sexe. Il est ce jour-là, tu seras une personne. Amen. Amen. La nourriture des démons sera quoi? Ça sera ta souffrance. Des esprits impurs mangent ta souffrance. Si tu souffres trop, eux aussi ils mangent. Ça sera une grande famille. C'est pourquoi il y a une organisation qu'on dit. Dans les chiffres énormes, nous allons vous dire. Vika virisi filtei miva mi
vika virisi filidei miva vika virisi filidei vika virisi filidei iko ni ma ni terme nyeko barome amen n'est-ce pas mena inaandikwa mashifre mumaletre romain mumashifre romain kama unaikonte vika virisi leta huko kama ukikonte vika virisi vika virisi filidei utapata muko ma ma chiffre romain ça veut le v v manake 5 bon moko kweli kweli muko i ini 1 muko sa sani muko c c ni 100 ah ikalaka hapo ma chiffre romain peko v ni 5 peko i ni 1 peko i ni 1 peko i ni 1 peko l ni ngapi 50 ma chiffre romain eni ini eh kama kuna fa déjà case le secret ici exerce déjà mais le secret ici n'a pas la force rompe katifu anga parce que le saint esprit est là mais la mungu ni king la parole de dieu est là ulinzi wa bwana king la protection de dieu est là mana bakia usiku mchana wanakuta moto wa bwana amen 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 et sasa tukisha kwenda alors après que nous puissions partir Joma na mimi naimba sasa mimi na ngoja tu amen mimi na ngoja tu na Yesu mimi na ngoja tu siku hiyo mimi na ngoja tu pourquoi parce que je vois que kwa sababu ninaona manyumba tutaiacha mwalevuma nous allons laisser des maisons dans la neve au tukifo itabakia mais si nous mourons ça va rester lakini maisha yetu kisha maisha notre vie après cette vie itakuwa muri wa cha ça sera le sceau de la famille muri wa tatu troisième sceau wa ine quatrième sceau ni muri wa mauti c'est le sceau de la mort muri wa mauti le sceau de la mort sema muri wa mauti muri wa mauti pale watafungula hii muri lorsque ce sceau sera ouvert apocalypse chapitre 6 verset 7 à 8 Venons sur la jacita mustari wa 7 hadi 8 pale watafungula hii muri lorsque ce sceau sera ouvert wa mauti Le sceau de la mort. Turudia sipote muri wa mauti. Muri wa mauti. Mwenye kufungula ni shetani. Celui qui ouvre c'est le diable. Angalia kwa mbele. Umbingu insécurité chini napo. Insécurité. Parce que Mungu yuko atupa ime ameuri. Yo. Satana yuko na tesa hapa. Jomara toka toka Sodoma na Gomora au tona kuchungu wa moto. Amen. C'est pourquoi sort dans Sodome et Gomorrhe, tu ne verras jamais. Ton vie itakuwa ni Sodoma na Gomorrhe. Le monde sera Sodome et Gomorrhe. Wale watakuwa na neema ni wale walitoka. Les gens qui pouvaient avoir la grâce sur les gens. Usiangalie kumkongo kisha kuamini. Mais regardez pas derrière après avoir être converti. Maana siku mbaya inakuja upesi. Parce que le mauvais jour arrive pris rapidement. Usipojua sababu ya kuimba. Si tu ne connais pas le la donc les cause la cause. Tunaimba ili tupewa taji ya Ah. Nous chantons pour qu'on puisse avoir la couronne de joie. Nous chantons pour appeler les autres à Jésus. Kijana kusikia injili yangu ku radio, kusikia injili yangu ku Facebook, mais anasikia nyimbo ninaimba na sasa mimi naenda kuokoka. Amen. Les jeunes avaient pas écouté. Kila siku anashukuru Mungu anasema mimi nimekuja kuokoka. Amen. Utamwambia nini anabudula gari, analala na gari, anaishi anakulia, eko vizuri, anakosa nini jua aje hapa. Acha leta itaje kusema papa nipate kazi, pate bakuta, jua nikuja iko na kazi. Amen. Anakuja kutafuta wokovu. Il vient chercher les saints. Il cherche à te confondre au coffre. Amen. Cherche à te kukemea mazaifu tutakukuta naye. Amen. Kuandae vizuri kwa ajili ya neva. Amen. Siku ile itakuwa ni siku za hatari. Amen. Itakuwa ni siku ya kulia na kusaga meno. Hey. Itakuwa ni siku ya uchungu. Hakutakuwa baba wala mchomba. Hakutakuwa shangazi wala kaka. Hiyo siku itakuwa ni siku za hatari. Amen. Angalia dunia tuko. Angalia na manomo ndogo. Roho Mtakatifu yuko. Sasa sisi ni nani? Lakini pengine bado yetu wanakulia mzuri sisi tunalala njaa. Mais les autres mangent très bien mais nous nous dormons en famine. Sasa pale hakutakuwa mtu atakuwa na ruhusa ya kupatia mwingine chakula. Mais par là il y aura une personne qui aura la permission de donner l'autre et la nourriture. Wewe mlozi utateswa siku. Angalia mbele mchana na vile uko na teso. Regarde comme tu souffres dans les chanda. La mchana dans les chanda. Kisha unarudia unaona katuko na promete Petit mama anasema mimi narudia kachumba na nyambaka sasa utakuwa roho amesa roho France ni auyui administration auyui tega la roho wache tu sera quel roi tu connais pas la langue française même la l'administration tu connais pas tu n'as pas les gars non nous arrêtons on va continuer kesho nous allons continuer demain Mungu akubariki que Dieu vous bénisse banga vitakuwa hapo hapa kesho combien de gens qui nous seront avec kesho tunamalizia hii miuri ingine Demain encore, nous allons chiter avec ces trois sauts qui restent. Pour que dimanche. Pour que dimanche. Vendredi. Le vendredi. Mais ta mionge là, tu as ouvert à sept sauts. Et dans les sept sauts, on a des trompettes. Donc, tu as sept sauts des trompettes, s'il vous plaît. Amen. Ouvertir à sept sauts des trompettes.
Il est journal à Majab. Si mon nom a volé à Kogoma, amen. Tout à m'expliquer, vous comme Bible, il y a. Nous allons vous expliquer comme c'est dans la Bible, comme ça se fait. Tous les gens qui peuvent mourir. Kwanja. Par la famille, le sol de la mort, ça va te ifungula. Lorsque ça sera ouvert, c'est que imbwa, ça veut dire que les chiens ont le droit de tuer. Chaque chose aura le pouvoir de tuer Bambuzi, des chèvres, imbwa, des chiens, Simba, des lions. Amen. Des animaux, donc des animaux sauvages sortiront. Regardez au moment qu'il avait ouvert la mort en Égypte. Dans quelques minutes, Malaïka Touyou. Moya. Moya. Un ange seulement. Yeah. Qui connaissait. Même s'il veut dormir comme ça. Ils sont à 6. Cet ange connaît que c'est lui le nez de la famille. Un ange. Il avait tué le nez. Le premier nez des enfants. Amen. Sans doute ça va se faire. Parce que c'est le ciel qui va autoriser. C'est le Père Dieu qui va pousser. Le sol qui sera ouvert par cas. C'est le sol de la mort. Tous les gens qui vont mourir par le sol de la mort. Il ne peut parler au ciel. Il ne peut même pas se sauver par leur propre sang, ces gens-là. Sois converti, bien aimé. C'était un très bon moment. Sors dans les distractions des églises. Cherchez l'église. Ne cherchez pas les églises. Et l'église. C'est là où t'enseignes comment les églises. Là où tu te retrouves. Le comportement de l'homme sort. Le comportement de la coutume sort. Là-bas. L'homme ne peut pas se complexer à cause de toi. Gagne-toi, Tchapa. Ni Apocalypse 6, verset 7. Ouvre-nous en soi.